Ici Phil Wanning et cette semaine, nous allons regarder une histoire biblique, une histoire vraie que tout le monde devrait connaître, la création. Oui, comment est-ce que Dieu a créé toute chose? Et notre histoire, c'est la création, mais notre animal avec Skyler, devine. Moi, je ne connaissais pas un ours, mais soleil. En anglais, ils appellent ça un sun bear. Êtes-vous prête? Voici Skyler. Et un ours. Salut, Skyler de retour pour un autre animal unique, l'ours malais. Les mâles mesurent environ 1,50 m de long et pèsent jusqu'à 68 kg. C'est environ la moitié de la taille d'un ours noir américain adulte. Cela en fait la plus petite espèce d'ours au monde. On trouve les ours malais dans les régions boisées de l'Asie du Sud-Est. Préférant les températures tropicales, ils n'ont jamais à hiberner. Leur pelage est adapté au climat de la forêt tropicale humide, car il est court pour éviter la surchauffe, mais assez épais pour se protéger des branches et de la pluie. Le nom d'ours malais en anglais « sun bear » vient du croissant doré sur la fourrure de leur poitrine qui, selon certains, ressemble à un soleil levant. En dépit de son nom, l'ours malais est en fait un animal nocturne. Cela signifie qu'il s'aventure dans les forêts la nuit. Ce sont des animaux solitaires qui ne voient pas très bien. Cependant, leur odorat compense cela. Ces petits ours mangent des insectes, des feuilles, des lézards et des baies. Leur collation préférée est cependant le miel. C'est pourquoi on les appelle aussi « ours à miel ». Pour attraper leur collation, les ours malais ont une longue langue qui peut mesurer jusqu'à 25 cm de long. Avec leurs griffes acérées, ils ouvrent les bûches ou des ruches pour ensuite engloutir la collation voulue. Ils sont forts et agiles avec leurs grands pieds, au-dessous tout nus, leurs pattes fortes et leurs longues griffes. Cela les rend doués pour grimper aux arbres. Ils passent beaucoup de temps dans les arbres. Ils construisent même des lits pour dormir avec des brindilles et des feuilles dans les branches. Tu aimes faire des choses? As-tu déjà construit quelque chose? Quelle est ta création préférée? L'ours malais crée un lit à partir de ce qu'il est capable de trouver autour de lui. Il prend des feuilles et des brindilles qu'il peut trouver. Les humains font la même chose lorsqu'ils créent. Ils prennent ce qui les entoure et créent quelque chose de nouveau. Imagine ce qui pourrait être fait si tu pouvais faire n'importe quoi. Quand Dieu pouvait faire n'importe quoi, il a créé le monde. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il a aussi créé les océans, les arbres, les animaux et toi. Dieu a tout créé. Wow! Un ours qui rassemble des choses pour pouvoir faire son lit. Il crée. Oui, c'est un créateur. Comme notre papa dans le ciel est un créateur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire merci à notre papa dans le ciel pour tout ce qu'il a créé. Et en même temps, on peut voir que lui nous a créés et il nous aime. Êtes-vous prêt pour l'histoire biblique? Une histoire vraie? La création de la Genèse. Regardons ensemble. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la création écrite dans le livre de la Genèse. La Bible nous dit qu'au tout début, Dieu a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas arrivé par accident ou par hasard. Tout a été planifié et contrôlé par Dieu. La terre était une masse informe et vide, une noisseur d'encre. L'Esprit de Dieu planait comme un oiseau au-dessus de l'eau. Puis Dieu a dit « Que la lumière soit » et la lumière est apparue. Dieu en fut satisfait et sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ensemble, ils formèrent le premier jour. Dieu dit que les eaux se séparent pour former le ciel en haut et les océans en bas. Dieu a donc créé le ciel, séparant l'eau en haut de l'eau en bas. Tout cela s'est passé le deuxième jour. Puis Dieu a dit que les eaux du ciel soient rassemblées en mer pour que la terre ferme émerge. Ce fut ainsi. Puis Dieu a nommé la terre sèche terre et l'eau mer. Et Dieu fut satisfait. Il ordonna que la terre gorge d'herbes, de plantes à graines et que les arbres fruitiers portent des graines dans leurs fruits afin que ces graines produisent les plantes et les fruits dont elles sont issues. Il en fut ainsi et Dieu en fut satisfait.
Tout cela se passa le troisième jour. Alors Dieu dit que des luminaires brillants apparaissent dans le ciel pour éclairer et faire le jour et la nuit. Elles feront apparaître les saisons et marqueront les jours et les années. Dieu fit deux énormes luminaires, le soleil et la lune, pour éclairer la terre. Le plus grand, le soleil, pour présider au jour, et le plus petit, la lune, pour présider à la nuit. Dieu a également créé les étoiles et les a placées dans l'espace. Et Dieu était satisfait. Tout cela se passa le quatrième jour. Alors Dieu dit que les eaux regorgent de poissons et d'autres formes de vie et que le ciel soit rempli d'oiseaux de toutes sortes. Dieu créa donc de grands animaux marins, toutes sortes de poissons et toutes sortes d'oiseaux. « Multipliez et remplissez les océans, leur dit-il. Et aux oiseaux, il dit, que votre nombre augmente. » Dieu vit que tout était bon et cela se termina le cinquième jour. Et Dieu a dit que la terre ait toutes sortes d'animaux, bétail, reptiles et animaux sauvages de toutes sortes. Il en fut ainsi. Dieu a créé toutes sortes d'animaux sauvages, de bétail et de reptiles. Et Dieu était satisfait de ce qu'il avait fait. Alors Dieu a dit, « Faisons un homme, quelqu'un comme nous, pas comme les animaux. L'homme doit être le maître de toute vie sur la terre, dans les cieux et dans les mers. » Dieu a donc créé l'homme et la femme. Et Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, « Multipliez et remplissez la terre et dominez-la. Vous êtes les maîtres des poissons, des oiseaux et de tous les animaux. Et regardez, je vous ai donné des plantes porteuses de graines sur toute la terre et tous les arbres fruitiers pour votre nourriture. Et j'ai donné toute l'herbe et toutes les plantes aux animaux et aux oiseaux pour leur nourriture. » Puis Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait et c'était excellent en tout point. Ceci mit fin au sixième jour. Le septième jour, Dieu se reposa de son œuvre de création. Il est important de remercier Dieu pour tout ce qu'il a créé, même les insectes. Vous pouvez lire l'histoire des origines du monde dans votre Bible, dans le livre de la Genèse. Bye bye! Wow! Tu as vu? Dieu a créé toutes choses. Et c'est là qu'on voit dans notre Bible, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première chose que Dieu a fait, c'est créer les cieux et la terre. Et ensuite, il a créé toutes les autres choses. Et même toi. Oui, il t'a créé parce qu'il t'aime. Et il m'aime, il aime Philou aussi. Et c'est là qu'on voit qu'on peut dire merci à notre Papa dans le ciel pour tout ce qu'il a créé. Es-tu prêt pour l'histoire? Pas l'histoire, la mission de la semaine, on la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas demander à tes parents, à ta maman ou ton papa, de te donner 6 choses. 1 pour chaque jour de la création, que tu vas pouvoir créer quelque chose ensuite. Donc, c'est 5. Tu demandes à tes parents de te donner 6 choses pour que tu puisses ensuite créer quelque chose. Et n'oublie pas, à la fin, de prier avec tes parents et de remercier Dieu pour ce que lui a créé. Bonne mission! Alors, c'est simple. Tu demandes à tes parents de te donner 6 choses. Un item pour chaque jour de la création. Et après, tu vas construire ou créer quelque chose avec les 5 items. Ça peut être de la nourriture pour faire une collation. Ça peut être des items dans la maison pour que tu puisses créer. Et ensuite, n'oublie pas, on prend le temps. Pourquoi? Pour remercier notre Papa dans le ciel pour tout ce qu'il a créé. Philou est super content de voir que Dieu, notre Papa dans le ciel, est là. Il nous aime et il m'a créé et il t'a créé. Alors, célébrons et chantons, et Philou te dit « Shalom ».